Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Bonsoir. Ngote na biso bande ko bana ya mboka bana ya RDC pe ba nzinga nzinga nyo sika to zalaka. Et sika to pepaka mbote. Une occasion pour nous aujourd'hui ici passé soir de pouvoir parler encore une fois de plus d'un problème qui nous préoccupe tant. Oto bengi le massacre de Beni. Na pourquoi lelo to solola na minoro so bibale. Pour nous permettre un peu audience la biso nyoso et yo kabiso et landa biso pe et intervenir ce qui possible ma téléphone est goleka bokobenga biso na ngonga ekokoka tozali en direct na Facebook, en direct na YouTube, en direct na ninyo sur le site bon landa biso to se pela mingi en direct à www.congosynthèse.com et www.toatoleka.net, vous pouvez comme vous voyez tous nos amis de l'extérieur dont nous citons Soft 15 TV Canada, Poupon Digbo Canada, Congo Millennium Irlande, Einda.com, Timo Provision, Ezaïr TV, et Sikan de Konabiso Jean-Marie, Toban Giazali. Mbote mingi bana ya mboka, bana ya Congo, mingi ya kolobalelo ezalite. Mawa etondi na mitema ya bana ya Congo ya mwana oyo no sabengami mwana ya RDC na pokwa lelo to loba mingi ba sujet masolo mibale to lobi na no ya Beni et puis to lobi bokabwani la dislocation de l'île de Fès kwa kuna pe moto za kopela lelo to kabula yango et sika ozali vraiment na bopeto na bosembo pe na longoni ya nyoso ndenge to lobaka to kabula yango lokola kopo ya mai lokola kopo ya ti lokola lipa na nguba pona nini parce que zali likambo oyo ezo concerné congolais oyo penda azana makila ya congolais na kati ya nzoto na ye ya solo depuis kala toloba depuis 19 ans 20 ans bientôt depuis arrivé à FDL alliance des forces de libération et à RDC to moni que Congo kimia ezala ka société to vivre yango depuis presque 17 ans ou 18 ans toujours kende ya règne ya les Kabila to moni que kimia ezalite na mboka ti lelo to zali ko peta peta na nini na nungu nungu na kati ya nini ba conflit eto ndiku na mboka surtout na partie ya est RDC ba conflit régulier oyo répétitif Ozonga. Mais ma région mingi oyo ezali affectée. Ezali ba région ya Beni, Lubero, tozali na Goma, tozali na Bukavu, Bukavu peut-être moins, ba zone mingi, to koti pe na province orientale kuna, mais moi ba ngambo ezali ebele. To kosolola pona nini makamwa ezolika. Nyonso oyo to lobi wana ba village to ba zone ezali vraiment affecté mais avant que nena nu pendant que nazo koloba na régine abiso to tala oyo lekaki na mikolo lekaki parce que mikolo na mikolo pas ezali batu bazako boma bazako kufa bazako boma bango bazako tumba bandaku bazako sala oyo bakoko sala ba massacre mais d'exactions, s'il faut les appeler ainsi. La bande Zasugi Régine est bien d'accord, tout le monde est totalement malé, qui est en train de se faire.
Dans la nuit de samedi à dimanche, de nouveaux massacres de civils ont été commis dans la périphérie de Beni. Des assaillants ont tué une dizaine de villageois. Le bilan est lourd, plus de 50 morts. Un deuil de 3 jours a été décrété. Qui sont ces groupes armés qui sèment la terreur dans la région du Nord Kivu? Depuis 2014, 500 personnes ont perdu la vie. Face à ces atrocités, que font la MONUSCO, l'armée congolaise, le gouvernement de Kinshasa? On va poser la question à nos invités. D'abord, Louis Magloire Kemayou, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, président du Club de l'information africaine. Et puis en direct de Genève, Jean-Paul Mopoko-Banda, bonjour, merci d'être avec nous. Avocat spécialiste de la région des Grands Lacs et auteur de « Les crimes économiques dans les Grands Lacs africains ». C'est paru en 2006. Aux éditions Menai Book. Avant de vous entendre tous les deux, on revient sur le massacre du week-end dernier avec Natacha Milleray. Des dizaines de civils retrouvés assassinés, une trentaine de maisons brûlées, un massacre qui s'est tenu ici à Beni, une ville au nord-est du pays, dans la province du Nord Kivu. 3 jours de deuil national ont été décrétés dans tout le pays. Je pense que la communauté internationale devra prendre conscience de la difficulté que nous avons. Le combat est âpre, ce sera de longue haleine, mais on finira par gagner. En ligne de mire du gouvernement, les ADF, ou Forces démocratiques alliées, un groupe de rebelles musulmans ougandais présents dans la région depuis 1995. Selon l'armée, ces hommes sont responsables du massacre intervenu dans la nuit de samedi à dimanche. Des violences qui se répètent, puisque depuis octobre 2014, ce sont plus de 600 civils qui ont été massacrés à Beni. Cette nouvelle attaque intervient 72 heures après une visite du président congolais dans la province, Joseph Kabila, qui a promis de tout mettre en œuvre pour imposer la paix et la sécurité. Le 8 août, 11 militaires congolais et un casque bleu avaient été blessés dans le territoire de Beni en affrontant des combattants des ADF. La mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO, sera sur place ce lundi pour apporter un soutien supplémentaire aux autorités du pays dans la traque aux rebelles ougandais. Voilà pour ce sujet. On commence avec Louis, avec vous, Louis Magloire Kemayou. D'abord, on va peut-être poser... Des dizaines de civils retrouvés assassinés, une trentaine de maisons brûlées, un massacre qui s'est tenu ici à Beni, une ville au nord-est du pays, dans la province du Nord Kivu. 3 jours de deuil national ont été décrétés dans tout le pays. Je pense que la communauté internationale devra prendre conscience de la difficulté que nous avons. Le combat est âpre, ce sera de longue haleine, mais on finira par gagner. En ligne de mire du gouvernement, les ADF, ou Forces démocratiques alliées, un groupe de rebelles musulmans ougandais présents dans la région depuis 1995. Selon l'armée, ces hommes sont responsables du massacre intervenu dans la nuit de samedi à dimanche. Des violences qui se répètent, puisque depuis octobre 2014, ce sont plus de 600 civils qui ont été massacrés à Beni. Cette nouvelle attaque intervient 72 heures après une visite du président congolais dans la province, Joseph Kabila, qui a promis de tout mettre en œuvre pour imposer la paix et la sécurité. Le 8 août, 11 militaires congolais et un casque bleu avaient été blessés dans le territoire de Beni en affrontant des combattants des ADF. La mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO, sera sur place ce lundi pour apporter un... Merci Mingi, Nabanda Tozali toujours en live. Bandeko Bazako Benga, nous allons dire à nos intervenants qui sont déjà en ligne d'être patients pour nous permettre, afin de nous permettre de développer un peu ce que nous avons prévu pour vous. Et ainsi, nous allons essayer de prendre. Nous savons qu'il y a déjà nos amis des États-Unis qui sont en ligne. Nous avons aussi nos amis de Londres, comme le pasteur Chabani, qui est aussi en ligne. Nous allons les prier de nous rappeler un peu plus tard, d'ici quelques 5-10 minutes. Merci beaucoup. Sinon, nous allons rappeler surtout notre pasteur Chabani, que nous allons rappeler un peu plus tard, parce que nous venons d'avoir son coup de fil. Merci, à tout à l'heure. Alors, Congo, Ndenge Binomo, Moni, Binili et Lobby. On dit toujours que les images parlent plus que de foi, nous le pensons. Parce qu'il y a un monde éthique qui exprime ma pensée, la biseau, ma image. Balobi, crime, massacre, et ça, c'est répétitif. Oui, c'est vrai, depuis 97, donc 97, que nous connaissons cette situation. Au début, à l'arrivée de l'AFDL,
plusieurs raisons. Et c'est là qui avancé d'une part et d'autre. De la part, il y a bateau, il y a qui, balobaki nini, et là qui, donc bateau FDL, balobaki, c'est là qui, conflit, on est là qui, na raison moko, il y a qu'on libérer, raison à libération, il y a mboka, surtout le territoire Oyo, et là qui, fief, sinon, foyer, voilà, foyer, il y a tension. Et puis après histoire il y a Rwanda donc guerre c'est là qui na Rwanda bah il mingi bah kimaki du Rwanda na RDC bah comment qui le col bah sujet y a attaque na nini alors bah on bah l'obac c'est là pour na Goya pour sécuriser mboka na bango et d'autre part aussi bah l'obac qui c'est là qui pour na pour épargner bah pays voisin na hostilité donc na mais karatano oyo et bandai koya pour na mboka na bango. Donc, on a raison, Oyo, tu m'as pensé qui, au départ, il est arrivé à FDL. Mais tu m'as dit que, d'un côté, il y a un Mboka, un Congo, il y a un subi, il y a un conflit, on est d'ailleurs, il y a un bel, il y a un bel, il y a une émission, et comment, il y a un bel, il y a un bel, non, la raison du conflit, il y a une raison d'abord, il y a Liboso. Raison il y a occupation à territoire il y a RDC pour na Nkita pour na Zamba na Union so ezalaki et puis il y a Mibale ezali pour na exploitation il y a Nkita wana na ba force oyeboyebi ya Libanda ba pays voisins ba force négative na kati ya mboka et puis ba lobby étranger oyo ba multinational oyo c'est la kanini et il y a kolia mboka ya mboka na biso. Batou, Bakoufi et Belé, quelle que soit la raison, Oyo, et Pesami, quelle que soit la motivation, Oyo Salima, la perte en vue humaine, Ezali catastrophique. Place Nde, Passi, Ezali. Passi Nde, Bouale, Namote, mais Ezali. Nabanza, ce qui est au Zugara depuis 97, donc 97, Tibane, 2000, déjà on comptait plus de 5 à 7 millions de morts. Ce qui est le bito longwa, na 2001, na ti, na mokola lelo, na 2016, combien bakoufi, na ba effet yanzala, na ba effet, na ba conséquence ya guerre, ba poudre, ba grenade, ba nino et salama, ba déplacement ya batou, nyo sowana, tozo tanga li soujote, ba conséquence ba viol, ba victime na bango, ba nangope mingi bazo okufa. Donc lelo, ce qui est le bito longwa, to lo bakaka. Mboka lokola voisin mboka mobimbesi la soki tolobi zozoba mboka oyo ezali bamboka meme yango moko Rwanda oyo ezo kosala mobulu na kati ya mboka mbele esila na mbula nyonso oyo ezali ba conséquence à perte ya vie ezali ebele non seulement à perte ta vie physique mais tozali susu na ba conséquence ba dégâts matériels bino moko bomoni ke ba nini ba bandako ebele etumbami donc ba incendie bandako ebele. Bakati bazamba na banza parka virunga bino mo boye bazala soso parke te koma na ngoso ki foire soki nini to ebite bazamba ba biloko ba conflit eza ebele ba conflit kota tribal ba conflit e koma soso personnel donc ba individu parce que bazoko wele la boye bazoko wele la boye donc RDC e koma na boale na kati ya mboka soko s'arrêter kaka wana te. Na banza ezo causé des sous ba dégâts mususu rien que na mois d'août oyo to ke dégâts na mois d'août oyo une semaine passée ezala ki dimanche le 7 août to yoka ki kuna na Nord Kivu au moins 14 personnes bakufaki 14 personnes ona bakufaki et puis 150 ndaku baziki saki na région ya nini na ezala ki na ndaku lokola na na beni oui na beni ba statistique ezali que mutu moko babomaki na Kaunga ezalaki militaire tué et puis civil moko pe babomaki kuna na Kaunga na Kashalira 4 civils bakufaki et puis babomaki bango na nini na ba machette s'il vous plaît na banza soki bokeyi même na site na biso ya Congo Synthèse bien na Yuke Congo Voice bien na Oyanga moko personnel jongi kama bomona photo ba chepe nga mutu bazoko kata machete koti na lipeka awa suka na mawa na Kibirizi kuna 7 civils bakufaki balobi
ba membre ya FDLR au Front de Libération à Rwanda ba tu basala kinini ba sala kiango balobi na bolimbi sanga mingi pona zoko na buneza kuna ba civil mo akufaki balobi ba maimai ba tu basala kiango wana za ba statistique tozwaki na banzela na biso tozwaka. Selon capitaine Moko Azali Kuna, balobi commandant à région ya Beni Kuna, le capitaine Guillaume, tout en a été combiné dans mes collègues Lekaki, il a attribué carrément le massacre wana na ba force ya FDLR et puis ya ba Maïmaï. Donc, les abissos ba tout lobby en moté, na banza chairman Mokondi ya ban ya biso ya force ligue ya Kivu, ligue ya Kivu Kuna na mpaka Omar, bazali wana na nzela pe ba okota. Alors, depuis plus de 20 ans, dans la zone orientale, il y a un conflit qui est alimenté dans le lobby, dans le lobby. Dans le lobby pour exploiter le cannabis. Et puis, il y a un bateau qui est exproprié. Donc, il y a un bateau qui est en Yamboka. À chaque fois, il y a 15, 100, 200 pour remplacer Bango. Et puis, il y a un conza Bango, il y a un loba. Exalité. Alors, rivalité à ma force négative Penakati et ma force à région. Oui, parce que vous conzapé, parce que vous conzapé, nani, banayamboka, exali. Maintenant, nous sommes banayamboka, balobi, bako limbapete, bako kende, malembe, malembe, tu na souka. Tu vois comment on a dimanche à lobby, le 14 août 2016, na RFI, Radio France Internationale. On est allé sur source de joie qui les a publicité n'a pas monté mais ils allaient source parce que toi et baki toujours j'avais ma source mon source ils allaient crédible le col à biso mon corps awa balobi de le 14 donc bouton les 14 au 15 août 2016 plus de 40 personnes la source mon source là qui 50 personnes plus de 40 personnes bah koufa qui n'attaque ma machette les sous bah village ébélé les sous c'est qui décimé donc panza qui en gros bah limousi en gros panza dans la région pardon à Beni nord-est nous sommes salami ndenge to lobi na ba machette na ba et pasola ba hache et puis na ba bambeli ba biloko ebele ba bouteille ba bomi na lolenge nyonso et puis ba tumbi pe lisusu ba na mboka société civile kuna na Beni ba lobi wana et salamaki o les 14 na les 15 donc na bouton les 14 na les 15 et zala ki ba massacre attribué na ba force ya Uganda donc groupe armé à Uganda o ba bengi combo ADF bino boko lukango sur les alliés na yango to komi na ba inquiétude nous nous posons certaines questions c'est-à-dire ceux qui depuis plus de 20 ans jusqu'à ces jours ba massacre wana yo salama répétitivement. Et ça qu'on continue. Et ça qu'on kende. Et ça qu'on silate. RDC n'a pas dit ça. Zala na nzinga nzinga ba pays misusu na banza 9 pays. Ce qui m'a boulou wana, ils ont continué. Ba pays wana, ils ont sala nini, ils ont contribué na nini. Alors, ce qui le cola, ba milo kwa nezo salama depuis plus de 20 ans, si koyo. On a nini lissou ndeto lobaka ya libanda donc ba lobaka batu ya droits humains bazoko lobelo komorote yango nde place communauté internationale ezana beaucoup à répondre na biso. Alors to la biboye exploitation minière illégale to boyité na région na bamboka mingi ezala na ngo surtout ba boko lokola biso ba lobi que les Alibambo en voie de développement, c'est ce que on nous attribue comme qualificatif. Bien. Ce qui te lobby que Tokendewana, occupation, il faut payer les zonga. Alors, le lobby, pour nanini, gouvernement Nabiso, ils ont pour agir. Pour nanini, depuis le gouvernement Nabiso, il y a le côté, et ça, le côté. Voilà, mais tout le monde est bandit, si on a bien le pour nanini, communauté internationale, il y a le côté. Tobanina nuna eloko muneni oyo ba yela biso na mboka oyo ba bengi MONUSCO. MONUSCO ezali mission onusienne pour le Congo quelque chose comme ça. Donc déjà pendant la kanda na motema na zone ya kutu ko tanga ngo mingi te. Au départ
et y a qui bambou les belles déjà passé 20 ans en gros déjà plus bah qui soi-disant point na protection na sécurisation il y a bah peuple si enfin civil il y a RDC surtout la région affectée pour l'est et puis pour la sécurisation à la frontière Mexico depuis wana til lelo to monique MONUSCO donc force à ONU et ça la plus grande mission il y a ONU dans le monde avec plus de à l'époque plus de 20 000 militaires ou bien membres au bazali kuna sur place Moussa Lanini Basalaka, point d'interrogation. Mais, tu as une mission spéciale, il y a MONUSCO, dans Mikole Kouya, tu as une mission spéciale, parce que tu as une mission spéciale, tu as une mission spéciale, et d'ici Mikole Kopusana, ce qui nous a sungi et à Kosunga, tu as une chaque jour, et là, comme on l'a un fort réflexion voilà un fort réflexion autour pour y avoir des informations les qui na journée ou bien na butu tu y es nango na bino na biso to kaboli nango peto analyser nango donc un fort réflexion ce qui au monique au ego sunga biso on est parenthèse pour na kukeni na eloko liboso au bengi biso numéro nanga isla kana tête les alliés on bien on comment synthèse on commis ce message de panangai d'être au ego ça nango chaque pourquoi par exemple, 19h à 20h, ou bien 18h à 19h, 18h-19h, info réflexion. Et vous allez s'y pour n'y avoir un bon. Alors, mon tour n'a pas de l'issue, c'est là qui, qu'en est-il, non, pardon, qu'en est-il de cette mission de la MONUSCO? Parce que, fait concret, ils ont l'accès que, ça a été échec total. Est-ce que MONUSCO, il faudrait et continuer, Moussa Lanangou na Congo? Point d'interrogation. Motuna munene ezali lelo, surtout pour concernant MONUSCO et puis la motuna pe otokope ça na gouvernement na biso après. Bitumba mingi ezali na est à RDC. Na Kivu, na province orientale, donc moi mouke na ba zone moi touché à Katanga ou ba kombo komi ebele. Mais pourquoi concentration et ba force les années plus la capitale na Kinshasa. Tout le monde va bien imaginer les cas qui m'y collent les cas ou à char de combat, ma camion, il y a miné et miné na Kinshasa du moment que besoin les années qu'on a na est. Pour la nini, tant de militaires à part l'équipement là bas, on va militaire mingi basali na kati à Kinshasa et du moment que il faut pas que nous sécurisions le peuple qu'on a au bazar comme on bango na ba force les années qu'on a. Des fois nous avons vu les images très tristes oyo. Bazoko boma batu na libanda clôture ya dini ya MONUSCO zali awa ba militaire na ba hotel ande ba bomela biso bana na biso ya mboka na libanda to boyite bazana intérêt ko zala wana si pa ba besoin zali bazala wana mais est-ce qu'il faut continuer na bango donc mituna ezali par rapport toujours ya biloko ezolika gouvernement na biso comment depuis des années, le gouvernement Nabiso est le bac et le côté. Si pas et agit sa côté, les années locaux là handicapés, moyen ça est le côté. Est-ce que les années, raison et absence ou bien impuissance, il y a gouvernement Nabiso, il y a quoi agir, il y a quoi régler le problème, ou non, tout y habiter. Ou non, les années, tout notre vocabula, on se rejoint et la paix, moko na sima. Tout le monde dit que depuis le début, il y a un conflit, il y a une réaction. Il y a le gouvernement, il y a raté, par exemple, si pas, la réaction est mitigée. Ou il y a des gens qui ont été ou bien ils ont été ou bien ils ont été mais pas vraiment la réaction concrète et efficace. Et comme il y a un moment, il y a critique par rapport à Bissomoko. Ozali dans Ngambo, il y a majorité présidentielle, ou bien il y a PPRD. Et ça, vous allez dans la majorité, dans l'opposition, mais tant que vous allez congolais, la bande est comme une oyo, mais tout oyo nous sommes pour l'intérêt en boca, et ça, la nabiso. Et que ça, la malam ou mingi, pour tout ça, la nini, tout qui est de kuna. Est-ce que, motouna mouzou, les alliés, le conflit oyo, les alliés entretenu par le pouvoir en place, parce que tout mingi va mettre tout la cabalomie, mais vous allez dans le gouvernement, vous allez dans le pouvoir en place, mais pour la nini, et ça, la maraté. Et pourquoi surtout cette question? Parce que
Ndenge bolandi kuna na résumé à France et à TV24, balobi que babilo po isa salami na présence na ye ou bien na passage na ye na région Domituna. Est-ce que passage wana l'air bazo boma wana ye azali wana ou bien outi ko leka wana ezali message oyo bazo ko pesa ye na ba force ya libanda ke non bien ko zali wana biso tozali toujours donc tozana yo na eloko mo ote tozo ki pe ote ou bien ezali que ye mutu azako lo bana ye bon bon continuer musala ou bien ezali eloko moko ezali ko ya na hasard wana par rapport au gouvernement na biso wana nini gouvernement na biso ezako dénoncer en côté na media parce que tomona ki une fois RTNC na quelques chaînes oyo ya bana ya mboka lobela ki ngona ba journaliste oyo bazana souci ya bana mboka na Congo kuna ba lobela ki ngo moi muke mupepe bandiko ya ba musicien balingi ba loba moi muke boye ba étouffer ngo ba lobi ba preuve za pendate ti lelo ba lobela ngo te mais bien sûr RTNC ezali chaîne nationale musala ngo même ceux qui ezali na tendance ya pouvoir mais les crimes les massacres ezali na problème contre le peuple et Mbokawana. Donc le peuple n'est pas seulement que le peuple de l'opposition. Les alipé peuple y a tendance et surtout Tobo Sanate, région en est Balobaki Mutoto Weto. Azo sala nini pona ba koko nae, pona ba noko nae, pona ba mama nae, pona ba tata nae. Wana mituna nyoso tozo ko bimisa lelo e uti na bana ya Mboka, oyo tozo ko sala nini ko pesa yango na mukolo ya lelo. Alors, to sala boye le col régime a besoin de bon c'est la biso moi nini moi muke bien que gouvernement a besoin le bagaté mais tomoni pour une fois bizarrement monsieur la maire Mende au azali ministre de la communication et porte-parole au gouvernement a dénoncé ngona côté nini na banza ngana za moto ya koloba mingi te to yo ka yena no ce que régime a besoin ça dit peut-être quand nous monsieur Mende ninga lobaki matondo tozo zongela bino kalate bon bon sa téléphone na bino na ba message na bino nyoso tozo zonga merci à tout à l'heure. Qu'une nouvelle agression terroriste a ciblé deux quartiers périphériques de la ville de Beni, Rwangoma et Mbelu dans la province du Nord Kivu hier samedi 13 août entre 19h et 19h30. Qu'une bande de criminels a assiégé ces deux quartiers situés à la lisière de la forêt qui jouxte le chef-lieu du territoire de Beni. Ils y ont massacré 36 personnes, soit 22 hommes et 14 femmes, avant de prendre la fuite. À l'heure où nous parlons, ils sont pourchassés par les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo présents dans la ville de Beni. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles et proches des victimes, ainsi qu'à toute la population de Beni et du Nord Kivu. Il note qu'il s'agit là du dernier épisode d'une série de massacres qui endeuillent depuis de longs mois le Grand Nord de la République démocratique du Congo. Ces massacres sont le fait de groupes islamistes radicalisés ou djihadistes, selon des formations concordantes recueillies dans leur base de repli de Mwalika et Nadoui qui ont été récemment capturées par nos vaillantes forces armées de la République qui les ont... Merci beaucoup. Nous voilà de retour sur notre chaîne congosynthèse.com et nos autres chaînes toleka.net, Yuga Congo Voice et les autres amis de l'extérieur. Nous avons en direct un ami qui voudra intervenir. Je crois que nous allons prendre d'abord son nom. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est le roi Amici la Papa. Merci, gratia, mon débat, mais merci, monsieur Laurent. Je crois que vous nous aviez suivis depuis. Je ne sais pas si nous devons continuer, mais exprimez-vous dans la langue qui vous paraît la mieux expressive. Si c'est les Français, nous continuons en français. Il n'y a pas de problème. S'il y a aussi moyen de mixer un peu avec nos langues nationales, ce serait aussi une bonne chose. Vous avez suivi un peu notre exposé.
Quelle est votre analyse et quelles sont vos inquiétudes ou quelques questions que vous avez ou des réponses aux questions que nous avons déjà posées ici? Merci à vous. Oui, sur la situation de Béni, il y a les hécatombes à Béni qui touchent n'importe qui que ce soit au niveau de l'étranger. Donc nous, nous sommes aux États-Unis, vous êtes en Europe, nos frères sont en Afrique, précisément au Congo démocratique. Qui se dit démocratique, mais il faut faire l'analyse de tout l'appeler le Congo démocratique. Il faut faire beaucoup d'analyse, puisque c'est un Congo occupé pour le moment, qu'on n'était pas appelé à son nom démocratique. D'autant plus qu'il y a des étrangers qui sont entrés dans notre pays, et il y a beaucoup de gens maintenant qui sont à l'étranger. Les uns sont en Europe, les autres en Asie, les autres en Australie, et sinon dans le continent océanique. Et il y a nous qui sommes aux États-Unis. Oui. Maintenant, la situation qui se passe au niveau de chez nous, et surtout ce que vous êtes en train de faire le pressing sur le niveau des antennes, et peut-être partout dans le monde, en tout cas, nous trouvons la situation si complexe. Oui. C'est juste que le gouvernement de la RDC ne réagit jamais aux gens qui cèdent leur âme à Dieu au niveau de Béni, les gens qui sont tués au niveau de Béni, les gens qui sont violés au niveau de Béni. Donc le pays est occupé et personne ne parle pas. Raison pour laquelle, dans le cadre de la diaspora, nous devons nous solidariser, nous devons nous unir et savoir quel est le combat qu'on peut mener. Il y a beaucoup de nos auditeurs, par exemple le colonel de Gaulle, le général de Gaulle, le Sarel Nord, qui s'appelle M. Lorenzo, qui a écrit beaucoup d'ouvrages pour expliquer la situation de chez nous, pour expliquer la situation macabre des gens qui sont en train de mourir au Congo. Mais il y a ceux qui ne comprennent pas, puisque toujours il prend tous les avis de la deuxième république, ce qui meurt devant, pour ne pas entendre ce que l'honorable Honoré Mbambe est en train de faire, est en train d'éveiller la conscience des peuples congolais. En analysant ce qu'il est en train de faire, j'ai eu un éveil extraordinaire. Oui, d'accord. Nous allons éviter un peu les éloges personnels. Parlons un peu de la situation sur le terrain, s'il vous plaît. Oui, sur la situation du terrain, donc nous voulons nous unir avec les gens de Béni. Nous voulons conseiller les gens de Béni qu'est-ce qu'on peut faire. Première chose, nous devons d'abord être unis. Deuxième chose, nous devons d'abord croire à Dieu que Dieu peut sauver notre pays. Moi, j'ai toujours dit le principe qui dit que j'ai un philosophe qui dit que les Congolais doivent avoir la paix de l'éternel. Plus, en ayant peur de Dieu, on sera délivré. Moi, je ne parle pas de la libération au Congo, mais je parle de la délivrance. C'est un mot que j'emploie plus souvent. Plus que la délivrance conduit à quelqu'un de connaître la vérité. Et la vérité conduit quelqu'un à être libre. Et c'est là qui a lui la paix. Okay. Et quelqu'un qui a la paix maintenant, il peut construire son pays. D'accord. Donc, au niveau de Béni, nous devons nécessairement appuyer les gens de Béni, de prendre les machines et de chasser la grand-père ou de chasser aujourd'hui l'occupant. D'accord. Donc, et toute la population de Béni, nous soulevons que la population de Béni doit se contredire de tout ce que le gouvernement en place est en train de faire. Ok. Le gouvernement européen, au niveau de Béni, arrive là-bas, il ne réagit que rien. Donc, il fait des jeux de cache-cache. Et pas, il donne un peu de tyrannie là, et puis, il dit aux agresseurs, agresser ces gens qui vont émettre massivement ce que nous sommes en train de voir, ce que nous sommes en train de vivre au niveau de Béni. D'accord. Votre analyse m'a beaucoup retouché, m'a touché beaucoup dans mon cœur, et je me suis dit, non, il faut intervenir. D'accord. Donc, j'appelle d'abord ma population civile, là où je suis né, j'ai appuyé les gens de Béni. Et moi-même, je me décide que nécessairement, il faut être à côté de ma population. D'accord. Je vais quitter les États-Unis pour descendre au Congo et sensibiliser les Congolais d'origine, les Congolais, les natifs du pays, et prendre pour marcher, grâce, everything, et then go. D'accord. Merci beaucoup, M. Laurent. En tout cas, des États-Unis, si vous voulez rester avec nous pendant l'émission et intervenir de temps en temps, nous allons essayer de passer à un autre invité qui nous attend en ligne. Vraiment, nous vous remercions. Donc, pour vous,
La population doit se lever, se soulever et commencer à se défendre. Voilà votre conseil en ce qui concerne la population de Béni. Ce n'est pas seulement celle de Béni. Je dis bien en commençant par ma zone. Ok. La zone de Sidi, la zone d'Ouvira, la région du Sud-Kivu, l'ancienne Kivu, nous devons nécessairement rapprocher les gens de Béni et les aider pour combattre nos occupants. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Laurent. Nous allons avoir un autre invité. Nous vous laissons là-bas des États-Unis. Restez avec nous en suivant l'émission. Et nous allons passer directement à Londres où nous recevons notre ami et très cher collègue de la presse aussi, un très grand combattant, un pasteur qui est Pasteur Chabani Sony, qu'on appelle couramment du peuple, qui est aussi un ressortissant de la région. Et nous allons directement lui poser la question. Pasteur, bonsoir. En tout cas, nous essayons de prendre les deux langues, Lingala français, pour essayer d'atteindre le plus grand possible des auditeurs. Mais, pasteur, Nabanza, Yonangaï, Tolandi, Makambuya, il y a région à Beni, il y a ressortissants à Beni. Baza Gobo Mandere Tolobi, il y a 4 émissions, il y a crime répétitif et régulier. Jusque là, bah, le bagaté nani gouvernement et le bagaté mais ceux qui me bakonzi balegi kuna ko bandana mukonzi amboka allez babomi na misu na ye ou bien na passage na ye mbala oyo mais je la mets en main d'audi ko le bakezali bexémiste islamiste islamique batu ba basali ba biloko na bango ba yebi ba foyer place bazali pona yo na nous situation ngwa beni na mukuse pona yo ezo représenter nini et puis ba raison ni nezali wana et puis et là, on y bande de combo qui va au. Dans quel pays
Ok, pasteur, Nani, Balobi, français Balobaka, qui veut la paix prépare la guerre. Tomoni que, naba information, monsieur ce jour, il semblerait Joseph Kabila, naba ndekonae, ba sengi, aide na communauté internationale, naba nzaiza na ndekomoko, yopuna tanabe, tabe, quelque chose comme ça, l'imisara pour la combo. Balobi que communauté internationale les osala nini il fallait communauté internationale y a porter aide secours na na ba crime wana na ba massacre wana mais Monisco ils ont on a plus de 20 000 effectifs y a contingent na bango pour na yo olobi nini il y a eu il n'y a pas longtemps Baloba y que condamné Nico Monisco en quoi que ne mais les osala soit appelé la communauté internationale ils ont olobi nini pour na yo. Oui, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a d'accord. Ok. D'accord. Merci beaucoup du peuple, Balobi, qui veut la paix pour par la guerre. Population Abisso. César, c'est qu'il y a César, oui ou non? D'accord. Merci beaucoup du peuple. Du peuple, tu es trop joyeux, tu es trop joyeux, tu es trop joyeux, na moi débat au sala pour na makamongo a béni d'ici la fin de la semaine de la semaine ce qui possibilité aux alokoza na musala kuna toti kayope tous on va bande comme ce merci beaucoup. En tout cas c'est ngomingi ninga to yambi pasteur na biso na Londres merci mingi na ndeko na ngai Didas Mayumbi qui va zola partir à France kuna na Lyon j'espère et si kazali po tambola ka mingi kuna bande comme mingi bazali ko réagir déjà na Facebook ngonga mingi ya otanga na nupende zalité mettre ko loba boye bolandi pasteur du peuple à lobby peuple il faut agir monsieur Laurent kuna na États-Unis à lobby pe bongo exaction no so salama ba humiliation o no salama il faut l'appeler ainsi na peuple ya beni ezaka ka benité ezaka ka autorité ezana RDC mobimba sikoyo na kananga lobby awa pe na bamboka muzuba utai ko boma
ba image ezali wana to ya kolobela mu mikolisa ko ya special Kasai pe babandi ko mena Kasai oyo to yebi ke mboka ezalaki mboka ya diamant mboka ya, ya ba commerçant ba komi pe ko makuna mais à part ba peuple wana pona ko la musa fierté ya bana mboka parce que ba lobiso ki banyati na tiope il faut yo moko sala ni otelema que doit faire la population RDC en ndenge na benga kango ya Congo na biso ya RDC passivité oyo biso to koma na yango motuna ya suka na sujet oyo yango wana passivité oyo biso to koma na yango indéterminé est-ce que ezali fruit ya culture ya défaitisme oyo to koma na yango biso ba congolais ou bien ezali culture ya pardon oyo ya croyance oyo to koma na yango depuis nos ancêtres peuple à Salanini et puis dialogue na makambo boye ezalato ezalate wana mituna totikeli bino na bandaku so ibolibo agir tozali wana pona bino mais na lombangu mingi tokei na oyo etali lisusu deuxième sujet na biso oyo tolobi UDPS UDPS dislocation bokabwani na tango ben ezoko kokufa ituri ezako pela moto UDPS pe ezako pela moto pona nini depuis week-end passé, oyo, tu veux dire aussi de ça, awa lobby le 14 awa, tout le monde a dit que bah destitué secrétaire général, il y a eu des pays, c'est parti, Monsieur Bruno Mavung, bah remplacé na Monsieur Kabund à Kabund. Pour nanini, pour l'interrogation. Bitumbe salami, na banza technique na biso kuna zali na moua image mouke pour tout le monde. Que de quoi cela qui va nous macambo entre ma partisan ya ngambo ya Bruno Mavungu na ngambo ya nini toke na numbangu na technique na chela biso avant biso toa kozonga na koloba matondo mingi na bino espèce biso kana mavunga ba chef de za awa awa pa président wana mutu mutusta kwa ko chalo kolona 10e awa mavunga lokwa a tout moli président a tout monde biso awa ko pandi place yo po e la tete wi mavungu awa te omani kana to za ngwa awa déjà ezati ale 19 to na ngo ti le to bani déjà le 19 to za ngwe bani we bani déjà o suka opako tchate mena balabala ah le 19 to be bani kamba moko ici et lo mingi kutu alobe ate donc le 19 nez en a président Kabila quoi déposé donc o tozo la ça est ndam quand nous sous tous en ngo iza kanda pina osakanate donc quoi déposer le 19 donc alu ka déjà atika parce que sous la l'équipe le 19 mboko donc bisika na somo te vandofe là donc ya mwana e bisi quoi atika ngai na lobe atika bana le bible oui, ils habitent, mais il y a parti, oui, ils ont un problème, il y a discipline à parti. Donc, ce que vous avez dans la parti, tu retiens maintenant mon côté. Il y a un peu de M. Kabila, la constitution, ce que vous avez dans la constitution, tu corriges les soucis. Donc, tu corriges dans le secrétaire général. Vous avez le secrétaire général, l'ex-secrétaire général, tu corriges. Il y a un peu de corriger les soucis Kabila. Donc, tu en as. Vous avez été parti. Vous parti à IDPS, vous avez la discipline. Vous avez été parti. Même M. Tchène Tshisekedi. Ce qui a sali ma bé, vous avez été parti pour vous avoir été parti. Donc, parti à la discipline. Donc, vous avez été parti. Vous avez été parti pour vous avoir été parti. Discipline. Na ordre. Ça va. Bruno Mavungu a été chassé manu militari par la population qui est venue. Voici les derniers vestiges que vous pouvez voir. Donc, Matondo, na bino bana mboka. Matondo mingi, tomoni, bino moko bomoni, nenge moto zako pela. Balobi, même ye moko Joseph Soga a palangani, ye moko pa ko vivre yango. Espérons que et que salama. Natango il faut que sala et si que ezali ezo salamaté mais ce que komi na bana mboka entre bango et bandi ko monana. Na ebite ce qui ezali wana pona ko beta na biso bien pour ton luka monguna ici que ezali. Donc je ngina ko loba boye donc depuis week-end passé monsieur Bruno Mavungu ba destitué na ba fonction na raison ezanini ba lobby ezali suspecté si pas ba preuve ezali que ezali moko ba infiltré il y a perdé na kati ya UDPS
pour na kosala nini na ko déstabiliser parti à UDPS cher na monsieur Etienne Tshisekedi ye abanay ko joa bambongo na ye na pe perdre pour na kosala nini ko ya ko ko pesa ba ba faux signaux na na parti boy et ba mususu balobi que oui c'est vrai akoma yi ko contester ba ordre ya président Etienne Tshisekedi oyo azalaki na na Bruxelles na na basanze likaki tangu wa sali boye ye kuna abolongani boye mais tomona yi quand même complicité mo ezalaki na kati wana ye monsieur Bruno Mavungu alobi que nani ezali faute na été soki tozana 1 minute 2 minutes ya mbangu ya koyoka mwa muke oye moko alobaki réaction na ye nde to konga émission na biso pourquoi lelo matondo fonction de secrétaire général mais le problème est beaucoup plus grave c'est en fait c'est tout l'UDPS qui est récupéré par des prédateurs. C'est depuis lundi, ils essaient de se forcer de me notifier. Ils n'ont pas de raison. Ce n'est pas moi le secrétaire général. Ils nomment les gens au parti. Ils le savent. En fait, le problème ici, c'est que je gêne M. Tshilombo qui prend des initiatives très malheureuses au parti. Il a trouvé que je l'ai bloqué tellement qu'il est parvenu à les prendre quelqu'un au village pour le nommer secrétaire général, avec lui, tout va passer sans problème. Je dis que ce n'est pas le problème, ça ne commence pas avec les rassemblements. Et pour lui, c'est moi qui l'avais bloqué. Maintenant, il va faire les bêtises pour obtenir les rassemblements. Et là aussi, il prétend que c'est moi qui le bloque. Parce que l'UDPS ne peut et n'avait jamais été dirigé ou présidé par des gens qui ont trahi, des traîtres. Donc, le problème à dire, c'est que l'UDPS, l'insecte est dans les noyaux. Nous devons récupérer l'âme de l'UDPS qui est affectée parce que les prédateurs sont arrivés jusque dans le milieu. Donc voilà, c'est la démarche que nous entendons mener maintenant. Et je crois que tout l'ensemble des membres du parti sont debout. Matondo Bingi na banza bolandi ye alobi le problème est dans les noyaux, il faudra récupérer l'UDPS. Oali ko landango na mobimba na yango commentaire wana soka koti na ba site na biso congo synthese.com et puis toleka.net akomona yango kuna na kati akolanda yango na ba commentaire mosusu na émission na biso pe ndenge zozonga. Merci Bingi. Alors après wana bitumbe bimaki na banza ba pawe betami mabanga milangi Kuluna balobaki ezalaki initiative si pa création ya PPRD Kuluna commission na UDPS ça c'est une question à se poser parce que wana bakshon Kuluna je ne sais pas ce qui il faut tout déplorer ango bientôt encourager ango pour na ba raison na kati ya batu ya kati ya parti moko mais na ndenge bitumbe bimaki lundi wana balobi baboyaki ye aya kosala meeting na ye wana parce que d'abord ba bengana kiye mais ce qui ba bengana kiye en tant que secrétaire général mais atikali quand même membre il y a parti wa ko boya na nini na siège na la permanence to ebite ce qui destitution na ye ezala ki directement nini na ye extermination na ye na kati ya parti en tant qu'être et en tant qu'esprit mais d'autre part ba lobby ye ayaki au sala meeting wana pour na ko dénoncer Tshilombo Félix Tshisekedi ndenge bolandi wana na ndenge makambo yo sala parce que ya zalaki accusé ya kozwa bambongo ye pa lobi que Félix zalaki pe kozwa bambongo et d'ailleurs bambongo mso zwa ki pona ko na ko faciliter comme on a dit dialogue yo ezo ke nzongi otokolobela pe mbala sima d'autre part aussi ba lobi que ye ayaki po a annoncé si pa a sala nini abimisa parti na ye oyo à Sali après la destitution d'ailleurs on va bénir Union des démocrates pour la renaissance du Congo. Union des démocrates pour la renaissance du Congo. Il y a un balobi que ezala qui excès des zèles. Donc ma papa les gars qui pour se permettre à quoi annoncer parti d'ailleurs le parti ya na siège au place ya zala qui na limité na 10e rue et pas il dépêche à siège Jaka. Alors Monsieur Bruno Mavungu wana ke ngonga na biso bandi okene parti ya UDPS et comme na turmoil il est lobaka et comme na nungu infiltré ou pas infiltré azala ki wana to mona ki que monsieur Jacques Chabani alongwa ki pembeni ya banungu ya banjinga ya election to mona ki que wana pe azala ki secrétaire général
tout mon avis que monsieur Moleka à Lungwaki période pesaki à moto moto il y a zalaki dirkab il y a président tout mon que période moko ndeko na biso papa na biso mobake azalaki pe na ndinga ndinga période à moto moto à élection alors ben inquiétude est commis wana balobi boy ba conflit wana ezali ba conflit ya ba personne ou bien il y a idéologie politique il y a parti wana ba tout a parti ba koyeba qu'on réponde na biso to benga ki monsieur Teongombo représentant il y a eu des pèces na na nini na UK dans la Grande-Bretagne encore hier à l'obi na biso to zela d'ici jeudi à correspondre biso le temps à consulter ma source naye makamuno so pour même la biso et lokwa kitoko donc toujours zela peut-être quoi qu'on réponde biso parce que to boyito mema moto oyo azali à partir peut-être to rejoindre ba combattant à partir après quand to ngina to yo kana nous la voix autorisée ndenge na lobaka yango il y a UDPS ce qui était trop longue moyen au Kenya banzela mususu alors ba inquiétude mususu ezali pas to bandi comme vraiment na souka émission oya kozana tena moi question moko azela na silisa ba lobi beaucoup se passe en ces moments na makambo ya mboka bomoni bino moko beni Ituri tout ça instabilité insécurité na nini makambo politique ezali tozali nanu na ba problème ya otala soki ba élection et que ça la matin que ça la matin il y a mon président Etienne Tshisekedi président UDPS à le baki le 19 septembre soga annoncé le peuple va nous se prendre en charge le 19 septembre prochain décembre pardon 2016 souka alinga lingate ba fongola et que n'est pas un mutu mususu sinoté peuple va se prendre en charge to yo ki biso mo ba combattant UDPS sur place na RDC ba pesi biso ba lobi moto que la sécurité totale to zali on a biso to même la bino toujours sango alors crise ezali na kata UDPS ezali crise ya leadership ou bien ezali crise de personne comme tel qu'on a ni d'autunion parce que dans ce balisu jeté mutu oyo azoko diriger ko diriger pendant oui c'est vrai pas Etienne Tshisekedi mais Etienne Tshisekedi ezali wana le leader charismatique yemo ezali wana mais tozo mona ke ba tiraillement et comme ebele ebele alors ba toi comme comme tuna nani azako diriger UDPS bana mboka bo bongisa ba mituna na bino boko répondre biso na Facebook ezali wana boko otinde la biso même après émission to yamba bino to zo ba commentaire na bino alors na crise wana lisusu to moni que ba membre fondateur si pas ba cofondateur ya UDPS ba mema ki lisusu monsieur Etienne Tshisekedi président UDPS na tribunal la grande instance je crois ya matete kuna na Kinshasa kuna faux et usage de faux. Il fallait se présenter mardi la semaine passée ndenge le gars ikuna to meme la bino ango to moni penda ke bango mo bavandi ba signer ba pe ba lobby ba destituer YP na fonction ya président parce que azali ko respecter ba norme ya parti T siko yo to komi wapi est-ce que infiltration ou ya pe perdre na UDPS et pe simbuma na yango parce que l'élection ezali awa kala mingi te donc to banda ko mona ke e bandi ko pesa. Et puis, tu as déjà que le mouvement où il y a des institutions, il y a le président Etienne Tshisekedi, Salamaki déjà, à Bruxelles, je crois, vers la fin de l'année passée, avec le conclave à Bruxelles, et Salamaki, M. Philippe Mandangi, M. Mpuila, docteur Mpuila, où il y a des initiatives, il y a des initiatives, il y a faux usage de faux, au niveau à parquet à Bruxelles. Est-ce que c'est la fin de l'UDPS? Est-ce que c'est la vraie dislocation à UDPS. Bien que Tomona UDPS et Kenda El Kibasa, El Kingandi, El Boye, El Kayabuanga, El Sorinani, El Tshisekedi, na Tshisekedi Kumi, El Famille, El Mavungu, est-ce que vraiment Souka UDPS Yangoana, est-ce que UDPS s'est décimé, est-ce que UDPS osera diriger Nanani exactement? Parce que papa n'a pas vu ce que je ma retraite, puis la mingité, pourrait UDPS, question de la Soukarona, pourrait l'UDPS nous conduire seul, je dis bien seul, à la victoire prochaine à l'élection qu'il y a. Est-ce que l'UDPS seul pourrait nous libérer de cette crise de la RDC, en RDC aussi? Est-ce que l'UDPS a aspiré sous confiance dans Banayambo? Ndeto suki wana na mituna na biso nezo apoko alelo tokozonga la bino soki ntamba suki na mikolo comme ndozali wana tokoya na émission ya spécial ya Monisco en tout cas mbote na bino bisika bozali matondo mingi jenge kikambo mikro bye bye.
Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com .com .com Congo